Yo tout le monde, c'est Blackcube et aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tuto PPPHP avec des petits PPPPGM. Mais vous pouvez directement voir sur cette page internet que j'ai faite il y a environ, en fait un quart d'heure, le temps que j'écoute de la musique, que j'ai, oui, atteint donc les 700 abonnés et que je disais donc merci à tous avec un message plutôt particulier et comme si je me répétais, que je ne me répétais absolument pas. En effet, hein, on va pouvoir le voir, t'as vu, je fais beaucoup de desserts en ce moment, donc je dis beaucoup en effet. On peut donc voir que je suis actuellement donc à 708 abonnés. Alors, tac, on met ça sur pause, nickel. Hop là, 708 abonnés, donc. Ce qui est. Comment dire, ce qui commence à être pas mal, hein, ça c'est sûr. J'ai une bonne moyenne de personnes qui s'abonnent par jour en ce moment, c'est assez incroyable, donc. Enfin, c'est incroyable. C'est vrai que ça pourrait être encore plus incroyable, tu vois, mais disons que c'est. Je m'attendais en fait. Que ce rythme soit quand même beaucoup plus effréné parce que au bout d'un moment c'était ça, j'avais 3-4 abonnés par jour, puis après je me suis dit, ouais, attends, au bout d'un moment ça va bien arrêter, bah pas tellement, parfois c'est vrai que je tombe à 0 abonné, mais une bonne partie du temps j'étais donc, je suis entre 2 et 4 abonnés par jour, donc merci à tous qui êtes là. Et si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes donc une personne qui suit donc mes tutoriels tutoriaux, pardon, PHP déjà depuis, bah ça va faire déjà un an que je les ai commencés, je crois, hein, je vais pas vous mentir. Tiens, j'aurais pu aller directement voir la playlist, c'est pas grave. Ça doit faire un petit bout de temps que j'ai commencé cette série-là. C'est vrai que j'étais beaucoup plus actif, on va dire, au tout début. Voilà, apprendre le PHP, j'étais beaucoup plus actif en fait au tout début parce qu'en fait j'avais tellement de trucs à vous apprendre, on va dire. Donc avec cette vidéo, voilà la première vidéo que j'ai faite qui va atteindre les 6000 vues dans. Oh, je pense que dans 2 mois, les a quoi, 6000 vues. C'est quand même pas mal, hein, franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, le 5 mai, donc il y a encore un petit peu de temps, en février, mars, avril, mai, donc il y a encore 3 mois. Donc voilà, là, les tutos PHP donc, que je reprends, on va dire, aujourd'hui, avec le sujet, donc la programmation orientée objet et la programmation d'objets orientés, donc POO et PDO. Donc PDO, ce sera surtout PDO MySQL, hein. Donc on va voir ça juste après. Mais avant, j'ai une petite annonce à faire, donc ça va concerner, en fait, on va dire, annonce plus personnelle, ça peut vous concerner bien évidemment, si vous choisissez, hein. Tout simplement, en fait, voilà, je suis parti en fait depuis donc les vacances de la Toussaint, donc à peu près fin octobre, à peu près fin octobre début novembre, je suis parti en fait sur un projet de faire un site web, en fait, qui serait utile. Donc je vais pas vous dire le sujet ni le contenu du site puisqu'il est, on va dire, assez, comment dire, il n'y a pas trop de monde, on va dire, sur cette idée-là. J'en ai repéré un ou deux, mais ils n'étaient pas très développés. Et en fait, moi, j'aimerais faire quelque chose de mieux, ou du moins quelque chose qui pourrait mieux servir, parce que le site était pas déserté, mais il n'y avait pas grand monde. Et je voudrais faire quelque chose, voilà, qui soit quelque part bien. Tout en fait, en même temps, à la base, j'ai choisi de faire un projet comme ça. C'était en fait pour m'entraîner la programmation orientée objet que j'avais appris quelques semaines plus tôt. Donc c'était surtout dans ce cadre-là. En fait, c'était aussi donc du coup pour vous faire un tuto là-dessus. Et c'est vrai que j'ai tardé un petit peu à le faire, tout simplement parce que je découvrais de nouvelles choses et en fait je voulais vraiment maîtriser avant vraiment de commencer à vous faire un tuto. Donc on va dire que c'est quand même bien. On va dire que je maîtrise à peu près le truc, peut-être pas tout, si jamais il y a des personnes assez balèzes en PHP qui passent par là, vous allez me dire, ouais, machin, c'est nul. Mais on va dire que je pense que je maîtrise suffisamment, du moins, la programmation orientée objet, même si c'est sûr que j'apprendrai encore d'autres choses d'ici quelques temps, surtout l'architecture MVC, pardon. Et donc, en fait, tout ça pour vous dire que je faisais donc un site web. Donc moi je m'occupais de la partie PHP, donc un peu tout ça. Et en fait j'avais deux potes, donc Naruto et Ozedix, qui devaient s'occuper du design. Sauf que Naruto a arrêté au bout d'une semaine en me disant qu'il n'était pas, on va dire, qu'il était pas prêt à s'engager dans un projet comme ça. Parce que voilà, il se sentait pas, on va dire, capable de le faire et surtout d'assumer le rôle qu'il avait en fait quelque part. Et donc j'ai continué avec Ozedix. Le problème c'est que ça fait quand même 3 mois, pardon, qui m'a pas présenté une seule chose, c'est-à-dire j'en ai du design et tout, et puis bah lui il me disait, ouais, t'inquiète, dans une semaine c'est bon, dans 2 semaines c'est bon, etc. Donc chaque fois il repoussait, et jusqu'au jour où j'en ai eu la marre. Et donc ce jour était donc en fait mardi, et donc je lui ai dit, bah vas-y, c'est bon, hein, on arrête tout, enfin on arrête tout. Ça sert à rien du coup que tu continues si c'est pour rien me fournir, et voilà, parce qu'il me parlait déjà depuis 3-4 jours à peu près, il me répondait plus mes messages et tout. Donc j'ai dit, bah laisse tomber. Donc
En fait, j'avais prévu déjà de vous passer cette annonce-là mercredi. Le problème, c'est que j'ai fait le tuto sous Linux parce que j'ai une partition Linux. Donc, j'ai fait le tuto sous Linux et évidemment, il n'y a pas de logiciel assez bien pour enregistrer. Et donc, le logiciel a planté au bout de 42 minutes sur 1h20 de tuto. Donc, j'ai pas pu vous le dire ça avant. Alors, donc, peut-être que vous l'avez compris, je recherche donc deux, enfin, une voire deux personnes, on va dire, capables de me faire le design du site et pourquoi pas. Avec des connaissances en PHP afin de pourquoi pas m'aider à développer le site pour qu'il soit en ligne plus rapidement, sachant que j'aimerais bien qu'il le soit à la fin des vacances de mars parce que enfin de février plutôt, parce qu'après moi le rythme scolaire risque de s'accélérer un petit peu, enfin il risque de s'accélérer, je peux pas vous dire dans quelle mesure, et donc peut-être que j'aurai déjà moins le temps de programmer. Donc pourquoi pas, déjà rien que le design ça serait bien, alors pourquoi pas une ou deux personnes. Ça serait maximum. Après, je sais qu'il y a Papy peut-être qui va m'aider pour le site en PHP. Là, ça va dépendre. En fait, s'il m'aide, j'aurais pas besoin de personne pour le PHP. S'il m'aide pas, je pense qu'il va m'aider. Donc, partons du principe qu'il va m'aider. Donc, les personnes, on va dire, s'il y en a qui sont intéressés, vous n'êtes pas obligé de maîtriser le PHP ou programmation orientée objet, sachant qu'on site, je le fais que en orienté objet. Donc, enfin, une très 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 grosse partie du moins. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'entends par design du site? En fait, ce serait quelqu'un qui serait capable de me faire quelque chose d'original, de sobre, et qui puisse, comment dire, qui puisse ne pas, enfin, ne pas être, voilà, de toutes les couleurs, bleu, blanc, rouge, carré, violet, je sais pas. Vous voyez, par exemple, YouTube ou même Google, si on y va, faut avouer quand même que c'est, voilà, c'est assez sobre, enfin, c'est clair, on va dire. Enfin, moi, j'aime bien l'interface, donc je vais pas donc dire que c'est moche et tout, hein. Mais évidemment, il va pas me le fermer. Mais disons que voilà, c'est pas moche, hein. Enfin visuellement, peut-être que vous allez le trouver moche par rapport à l'ancienne version, mais même l'ancienne version elle était quand même sympa. Là c'est pareil, hein. Par exemple il y a un fond blanc, voilà, c'est les boutons sont gris un petit peu relevé, voilà, ça fait un petit effet quand on passe la souris, etc. Voilà, il y a ça pour moi, je trouve ça un site sobre. Vous voyez la couleur rouge là, ça va très bien avec le blanc, surtout dans le ton où ils l'ont mis, les cadres, etc. Voilà, je trouve ça sympa. Donc c'est ce que j'appelle un site sobre qui met pas 40 millions de couleurs partout. Même Facebook, hein, par exemple, Facebook c'est sobre. Les gros sites, Twitter aussi, c'est assez sobre. Ça va, enfin voilà, un site avec le design, comment dire, qui va bien avec l'esprit du site, etc. Donc, qu'est-ce que je rechercherais, on va dire, comme type de personne? Bah, expérimenté ou pas, franchement, ça importe peu. Alors, évidemment, il faut quand même que vous maîtrisiez un petit peu les bases du HTML, CSS, hein, franchement, évidemment. Mais une personne qui est prête, on va dire, à s'investir, qui connaît pas grand-chose, mais prête à apprendre et tout, bah, moi, évidemment, ça me fera plaisir de l'accueillir, on peut dire. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problème. Je veux surtout, en fait, quelqu'un qui soit capable de me présenter quelque chose, pas spécialement rapidement, mais quelque chose. De présentable, et encore là, au pire, on pourra toujours faire des retouches, mais quelque chose, comment dire, pas quand je lui demande, mais c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, le problème que j'ai eu avec Ozedic, c'est que je lui demandais, et il me disait, attends, non, c'est une surprise, je te montrerai plus tard, et en fait, je crois qu'il a absolument rien branlé, enfin, je sais pas, j'ai rien vu. Donc, quelqu'un, voilà, déjà qui aurait le travail d'équipe, en fait, simplement, qu'on lui demande, ou par exemple, où est-ce qu'il en est, s'il a besoin d'aide, ou qu'il nous demande si on a besoin d'aide, etc. Quelqu'un qui sait communiquer, donc c'est-à-dire bah, dire ouais, j'aimerais bien par exemple voir ça ici, ça là, proposer vos idées, bien entendu, parce que ce n'est pas mon site spécialement, c'est, on va dire, c'est le site, donc savoir proposer ses idées, dire ce qu'on peut penser, ce qui serait bien ou pas, etc. Bien évidemment, évidemment ça. Quelqu'un, on va dire, d'assez autonome, je veux dire par là autonome dans le sens où il ne demande pas non plus toutes les 2 minutes qu'est-ce que c'est. Est-ce que je peux faire ça, 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 ça? Enfin voilà, il faut. Voilà, par exemple, imaginons, on part sur le principe que vous faites plusieurs designs et puis après on choisit ensemble lequel serait le mieux ou le plus adaptable, par exemple. Hein. Je dis ça comme ça. Franchement, je suis plus là dans l'optique, moi, de prendre quelqu'un, mais en fait que lui soit maître du projet, du design, hein, par exemple. C'est vous qui êtes le maître et ce n'est absolument pas moi. Qui vais vous dire ouais c'est moche et tout, hein. Je vous limite, je vous dirais ouais j'aime pas ou ça va pas ensemble, mais je vous dirai jamais que c'est moche ou autre. Rapidement, en ce qui concerne donc la rémunération, bah il n'y en aura pas. Je veux dire ça dans le sens où en fait j'ai rien à vous offrir non plus. Moi personnellement j'ai fait le site pour comment dire m'aider à mettre en œuvre la programmation orientée objet. On va dire prenez ça vous comme pareil une mise en œuvre de vos. Mise en œuvre réelle dans un contexte réel de vos capacités, on va dire ça comme ça.
Voilà, pour vous, c'est comme un test. Évidemment, évitez de me lâcher, on va dire, au bout de 3 semaines, en imaginant, ouais, j'ai pas le temps. Si vous savez que vous n'allez pas avoir le temps, bah, dites non, je suis désolé, mais c'est un peu vrai, hein. Si vous savez que dans 2 semaines, vous n'avez pas le temps, va falloir dire, bah non, je peux pas, parce que quelque part, j'aimerais bien que la. J'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Que la personne, on va dire, reste avec nous. C'est-à-dire que, imaginons que le site marche, ce que je pense pas vraiment, enfin, je suis vraiment pas sûr, donc. On s'en fout, on imagine. Par exemple, imaginons que c'est pas que vous livrez le truc. Je vous dis ça livrer, mais que vous présentez le truc et que vous l'appliquez. Et après, vous vous barrez. Non, je pense que le truc bien, ce serait que vous restiez dans l'enceinte. Parce qu'évidemment, on aurait besoin de vos talents, du moins, sûrement sous peu. Donc, si jamais vous êtes intéressé, c'est très simple. Vous allez sur ma chaîne. Donc là, techniquement, on va pas le voir. Donc, je vais aller sur la chaîne de Papy Wesh. Et vous me faites chanson qui donne la patate. C'est ça, hein, je rigole pas, hein, c'est vraiment ça, hein, cette musique. Bon, évidemment, ça va pas charger. Bref, vous faites un message privé, donc ici, vous me faites, hein, envoyer un message. Peut-être qu'on va entendre. C'est voilà, j'avais dit que c'était motherfucker. C'est un truc très 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 bourrin, hein. Mais bon, donc voilà, vous faites un petit message privé, envoyez un message, par exemple, je vais faire coucou Seigneur, personnellement, mais. Vous mettez juste par exemple site web, enfin design site web. Vous mettez, on va dire, une petite lettre de motivation. Par exemple, je veux rentrer dans votre groupe. Bon, j'écris en gros, je sais pas pourquoi. Je veux rentrer, on va dire. Enfin, je veux. Je sais pas, je veux. Je suis prêt, enfin, pas non plus motivation, mais vous me dites, j'ai envie de faire ça pour mettre, on va dire, en œuvre mes motivations, enfin, pas mes motivations, mes capacités ou autres. Vous pouvez aussi renseigner votre niveau, comment est-ce que vous vous qualifiez, enfin, si vous vous trouvez débutant, moyen ou expert. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux très bien prendre un débutant comme un expert, hein. Un expert qui montre qu'il n'est pas motivé, on va dire, contre un débutant qui montre qu'il l'est, bah, personnellement, moi, je préférerais le débutant. Enfin, voilà. Coucou le château, t'as vu? Enfin voilà, je pense que j'ai un trop d'autres à dire. Donc vous envoyez le message et je répondrai donc à tous les messages. Vous pouvez toujours le faire sur la vidéo dans les commentaires, hein. Ça, y a pas de problème. Mais par message privé, je pense que ce sera plus simple après pour moi de m'y retrouver, parce que je pourrais très bien les classer ou autre. Donc voilà, si vous n'avez pas compris vraiment, si vous avez encore des questions, sachant que je vous donnerai d'autres précisions si jamais je vous prends, on va dire, dans le projet, je vous donnerai d'autres précisions par message YouTube, enfin simplement par Skype, hein. Je pense qu'on pourra commencer à communiquer dès ce moment-là. Je vous donnerai d'autres précisions et voilà. Et je pense que je vais avoir fini de parler au bout de 13 minutes. On va recommencer le tuto. Alors j'aimerais bien le faire en moins d'1 heure, donc on va commencer maintenant. 13 minutes pile poil, c'est parfait. Donc on va commencer maintenant le tutoriel, donc sur la POO et la PDO. Et la PDO, alors. Rapidement, qu'est-ce que signifient ces acronymes? POO, programmation d'objets orientés. PDO, non, oulala, PDO, programmation d'objets orientés, pardon. Et PO, programmation orientée objet. Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Franchement, j'en ai aucune idée, en fait. Enfin, si. En fait, avec PDO, je crois qu'on programme. Enfin, on utilise des objets, et avec POO, en fait, on crée les objets. Alors. Déjà, vous allez me dire, what the fuck is this shit? C'est quoi un objet? On va expliquer donc ce qu'est un objet, mais avant, je vous présente aujourd'hui en même temps un nouveau petit logiciel très sympa qui s'appelle donc Sublime Text 2, que vous pouvez retrouver sur internet, hein. Vous tapez Sublime. Merde, what the fuck? Hop là. Sublime Text 2, vous allez taper sur internet. Il est disponible sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Mac, Linux et Microsoft, bien évidemment. Le seul problème, c'est qu'en fait, il y a une licence. Enfin, le seul problème, c'est pas un problème pour l'instant, mais il y a une licence, donc elle coûte 70$. Donc, je pense que vous pouvez compter 55€, 55€. Mais vous avez moyen de, quand ici apparaît le message qui vous dit, veuillez enregistrer votre licence, vous faites annuler et vous pouvez continuer à travailler. Donc, pour l'instant, c'est pas une licence obligatoire, mais je peux pas vous dire que ça restera gratuit à vie. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, un nouveau logiciel qui est vraiment très sympa, basé sur Notepad, écrit enfin développé en Python. Il est vraiment très 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 sympa. Il y a l'autocomplétion, l'auto-fermeture des balises. Valable pour tous les, enfin pour beaucoup de langages, C, C++, PHP, Java, Perl, Ruby, enfin tout ce qu'on veut de toute façon.
plein plein, évidemment modifiable comme on veut, par exemple, voilà, rien que la couleur du thème, moi j'aime beaucoup le Monokai, hein. Mettre Lazy, voilà, bon c'est complètement horrible, mais... Enfin j'aime pas genre FL, voilà, bon bref, il y a plusieurs choses que vous pouvez changer. Enfin voilà, donc ça change de Dreamweaver, mais c'est comme ça. Alors on va commencer directement, c'est parti. On va d'abord commencer par la PO, parce que la PDO rejoint le PO. Donc on va pouvoir commencer comme ça, et je vous montrerai après. Alors je vais d'abord commencer par écrire un objet. Alors qu'est-ce qu'un objet? Donc un objet. Hop là, objet. Je vais rapidement vous écrire quelque chose hein, qui ne va pas spécialement vouloir dire grand-chose. Pourquoi je viens de là? Qui va pas spécialement vouloir dire grand-chose, hein, franchement. J'ai rien à mettre en fait. Donc bon. Vous inquiétez pas trop, pour l'instant je vais juste écrire ce que je veux. Alors c'est compliqué d'écrire et de parler en même temps. Puis function, on va mettre le construct, parce que je suis un fou. Tac. Dollar data, on va mettre. Alors j'aime beaucoup aussi, hein, on ouvre les balises, on fait enter et direct ça part et ça marche pour tout. Hein, voilà, ça marche vraiment pour tout et c'est vraiment très très sympa. Public function construct, on va mettre un setter, ce qu'on est un. Hop là. Alors vous essayez de comprendre au passage. Hein, déjà logiquement, les fonctions, ça vous connaissez. Les fonctions que vous connaissez. Cet objet. Dollar data. Logiquement, $0, ce n'est pas ce que vous croyez, on va dire réellement. Et on va mettre un getter. Alors. Et là, on va peut-être utiliser quelque chose que vous connaissez. Alors, on va utiliser la public plutôt. Ici. Public function get object. Tac, tac. Return $6. Chut, objet. Alors. C'est hop là. Bon là vous avez l'impression que je maîtrise pas trop, mais bon, à vrai dire ça fait longtemps, enfin c'est pas simple hein, je vous dis de programmer tout en parlant. Voilà, oui hein. Cet objet tag de la data. Hop là, nickel. Et donc là on va donc appeler notre classe. Alors on va l'appeler dollar object parce qu'on est un ouf, égal new objet avec écho salut. Ensuite, on va mettre et salut ici. Tac. Et là, on va mettre dollar objet. Écho dollar objet. Get objet. Tac. Logiquement, ça devrait passer. Voilà. This is an unregistered copy. Hello, thanks for trying. This is an unregistered version. And through the trial is untimed. Our license may be pushed for continuity. Would you like to push the license now? Vous faites annuler. Et ça passe tranquille. Et là, qu'est-ce que je fais? Quand ça fait une grosse erreur comme ça, c'est pas bon. Déjà, hein, que ça, déjà. Ça fait longtemps. Ligne 3. Ligne 3. Bah oui. Vous voyez, j'écris vraiment de la merde quand je vous parle. Classe objet not found. Vous voyez, ça commence déjà bien. Je parle trop. Hop là. Mais. Ah bah. Bah, il y a eu le problème là. Quelle ligne? Ligne 24. Tac, voilà. Salut. Voilà. Bah, désolé, j'ai un peu galéré. Alors, qu'est-ce que en fait j'ai fait ici? Vous avez demandé, waouh, tu m'as écrit 15 lignes, un peu plus, 27 lignes, 15 lignes pour me dire salut. Pour faire un truc aussi con qu'un écho salut. On est d'accord. On est d'accord, c'est vraiment aussi con qu'un écho salut. Tac, ça marche quand même, on est d'accord. À la seule différence que ça, vous allez pouvoir le réutiliser. Qu'est-ce que je veux dire par réutiliser? Imaginons maintenant que vous créez une que vous créez pardon, une nouvelle page. Créer index2.php. Hop là. Imaginons que sur cet index2.php, on a donc en fait ici, on veut donc faire écho un message. Alors évidemment, c'est pour un exemple, parce qu'évidemment, ça n'a aucune utilité aujourd'hui. Alors là, donc là, j'inclus ma page. Et on redéfinit la variable objet. Objet égale
new objet index2.php, tac, echo dollar objet, tac, get objet. Ok, logiquement, si je vais donc sur index2.php. Ah oui, en fait, j'écris classe, mais tout simplement parce que j'ai tellement l'habitude en fait avec mon site que. Hop là, salut index2, c'est normal, j'aurais dû m'en douter. Bam, hop là. Et donc là, j'ai donc bien mon texte qui s'affiche ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, déjà, je vais rapidement expliquer les lignes ici. Donc, on ouvre la balise PHP. Bon, require on, ça veut dire require, donc requiert on, ça veut dire que si jamais la page index.php a déjà été inclue, il ne la réinclura pas. Ensuite, ici, $objet. Donc là, en fait, on déclare une variable qui est égale à new. Donc, ça veut dire nouveau. Objet. Si vous avez remarqué, c'est le nom de notre classe. Je vais revenir rapidement après sur la classe. Ensuite, on lui définit un paramètre. Et en fait, après, on affiche ce que $objet, getObject retourne. Alors, on va en reparler très rapidement. Juste après, la classe. Alors, la classe, qu'est-ce que c'est? Une classe, c'est comme une fondation, on va dire. En fait, ce sont des fonctions, alors, des attributs et des méthodes déjà écrites que l'on peut réutiliser. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons sur mon site, moi j'ai une fonction qui vérifie l'email. Si l'email rentré est bien et ne contient pas de règles de caractères spéciaux, imaginons que ce script fait 15 lignes. Le problème, c'est qu'imaginez, j'ai, on va dire, je vérifie 5 fois ça dans 5 fois si l'email est bien dans mon site. Le problème là, c'est qu'il va falloir que à chaque fois que je réinclus les 15 lignes. Donc ce qui fait que si jamais je veux changer ces 15 lignes, genre en rajouter une 16e ou rajouter quelque chose, faut que je le modifie 5 fois. Là, j'aurais juste à modifier l'objet, ou du moins la méthode de l'objet, pour que sur les 5 appellations, ça puisse fonctionner. Qu'est-ce que j'appelle appellation? Ici, en fait, j'appelle mon nouvel objet. Alors, rapidement, donc classe objet. Donc là, ça c'est le nom de ma classe, en fait. Donc en fait, au final, c'était le nom de ma classe, de la classe en fait qui contiendra donc toutes les choses. Imaginons si vous voulez faire un système de membres, et bien vous mettez ici par exemple classe membre. Hein. Private $object. Underscore objet, pardon. Private, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est privé, c'est-à-dire en fait, donc ça c'est un attribut, ça veut dire qu'il est privé, on pourra pas y accéder de l'extérieur de la classe. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais le modifier de l'intérieur de la classe, en fait, comme je fais grâce à cette fonction. Mais par exemple, si je veux le modifier à partir de là, je ne pourrais pas, tout simplement. Et heureusement, parce que logiquement, en fait, si vous voulez, c'est ici, c'est ce que le programmeur met en place. Comment dire, il crée ça pour que ça fonctionne. Et après, c'est l'utilisateur, ou du moins la personne qui veut l'intégrer à son site, qui l'exploite. Voilà. En fait, ça, ce sont des plein de lignes, on va dire. Et en fait, après, l'utilisateur exploite ce qu'il veut. Et il n'est pas censé toucher au code. Il est juste, juste censé en fait utiliser l'objet et se servir du code en fait, donc, et des valeurs retournées. Et absolument pas de modifier les valeurs que la classe peut mettre en paramètre quelque part. Donc en fait, cet attribut-là permet en fait de stocker voilà une valeur grâce à cette fonction-là. Donc fonction privée. Là encore, on ne peut pas y accéder de l'extérieur. Le nom de la fonction, c'est cet objet. Et en fait, je veux lui donc intégrer. Enfin, en argument, pardon, elle aura la variable $data. Et donc là en fait je dis $this. Donc $this en fait tout ça c'est considéré en fait comme un pointeur. Ce n'est pas comme une variable, c'est comme un pointeur. C'est-à-dire en fait on lui dit bah tu pointes vers l'attribut objet et tu lui attribues la valeur $data. Ce qui fait qu'en fait lorsque j'exécute cette fonction en fait ici, donc je vais y revenir après, la valeur $data en fait se retrouve là-dedans. Tout simplement. Elle se retrouve là. Tac. En fait, je vais même vous expliquer rapidement les tâches. Ensuite, donc, on arrive avec la fonction getObject, donc ça je vais revenir après. Et donc là, public function, donc fonction publique, donc on peut y accéder de l'extérieur. En l'occurrence ici, c'est grâce à l'objet. Fonction de construct. Alors pourquoi construct est en bleu d'ailleurs et pas en vert comme les autres et est précédé de deux underscores? Simplement parce qu'en fait, la fonction construct, ça veut dire construit, est un constructeur. Ce qu'on appelle un constructeur, en fait, c'est un. Alors je crois que c'est un procédé, on va dire, qui permet de faire en fait quelque chose, du moins des actions lorsqu'on appelle l'objet. Donc en fait quand on crée l'objet ici, en fait et il va exécuter cette fonction construct. Et là vous avez vu quand je lui demande de récupérer l'argument que j'ai passé ici, je lui demande de le récupérer donc grâce à la variable $data.
Et là, autre ligne intéressante, on appelle l'objet, donc la classe, donc le nom de la classe, suivi de deux points qui veut dire on se situe dans la classe, enfin je suppose. Et on appelle la fonction setObject, pardon, avec en argument $data, donc $data qui arrive d'ici. Le truc c'est qu'en fait vous voyez, là je suis à l'intérieur de la classe et j'accède à une fonction privée que je ne peux pas accéder de l'extérieur, on va le voir après. Et donc $data récupère la valeur, la stocke, et voilà. Ensuite, ici on peut donc voir là, donc logiquement j'aurais très bien pu faire autre chose, hein. Par exemple y mettre ici, par exemple $result égal. On va mettre ça serait peut-être un peu plus clair pour vous, echo $result. On voit ici $result qui va prendre la valeur de $object, qui ça, donc le pointeur getObject. Alors ce qu'il faut savoir c'est que $object en fait n'est plus une variable, mais maintenant c'est un, pardon, un objet. Qu'est-ce que j'appelle un objet? C'est quelque chose qu'on ne peut pas afficher, quelque chose qu'on peut manipuler. Enfin, manipuler en fonction bah, évidemment de ce qu'il est, de ce qui est manipulable. Donc je vais vous expliquer en fait rapidement l'ordre des choses pour ceux qui ont bien compris. Donc en premier lieu, on inclut la page, donc ça au pire c'est pas obligé. On va dire facultatif. Ensuite, en deuxième lieu, on déclare l'objet. Déclaration de l'objet. Déclaration de l'objet. Donc ça c'est l'étape 1. Déclaration de l'objet plus initialisation. Initialisation, boum, on arrive public function machin. On est donc ici au petit 2. Construction de l'objet avec les paramètres. En l'occurrence, un objet peut évidemment se construire de plusieurs manières, mais là en l'occurrence, enfin je veux dire faire d'autres choses, mais là j'ai choisi de faire ça. Donc ici, ensuite ici donc comme la fonction est exécutée par exemple, on arrive au 3. Donc là on exécute la fonction set objet pour stocker la valeur de leur data. Alors désolé si jamais je fais des fautes, mais là c'est assez compliqué d'écrire comme ça. Donc voilà, ici donc on fait appel à notre fonction privée cet objet. Donc là on est donc ici au 4, exécution de la fonction avec en argument donc de leur data. Là on arrive donc au 5, envoie on va dire de la valeur de leur data dans l'attribut, donc ce qu'on appelle un attribut dollar objet. Donc dollar objet il est ici, donc en gros il vient, on va dire en 6, c'est un peu transparent, 6 dollar objet reçoit la valeur de dollar data tout simplement. Et cette valeur-là, évidemment, elle reste là tant qu'on n'a pas détruit l'objet ou autre, du moins. Donc, c'est-à-dire quelque part qu'elle est réutilisable et qu'on ne doit pas, on va dire, s'emmerder à chaque fois récupérer la valeur de droite à gauche. On peut très bien la stocker là, en fait, on va dire, hop là, juste stocke là et je te rappelle plus tard. Enfin, je l'utilise plus tard. Donc là, voilà, on arrive ici, on est donc au petit 6, tout va bien. Notre circuit est terminé. On arrive là. Donc on a fini notre initialisation, tout ça évidemment ça s'est fait de manière transparente, vous ne l'avez pas vu, hein. Là on arrive, donc là on arrive au 7 et on stocke la valeur retournée par la fonction getObject dans $result. Alors, quelque part c'est en deux étapes, parce que tout d'abord donc on stocke la valeur, mais en fait avant ça il exécute, donc on va dire set-0 exé, on va mettre 7 tout simplement, 7, ça sera plutôt le 8, on va dire 8, tac, on va mettre ça à suivre là, 8, et on va mettre le 7 ici, set exécution de la fonction getObject. On l'exécute. Donc ça, ce sera peut-être pas le 8, mais ce sera autre chose. Pour l'instant, on va mettre x. Exécution de la fonction getObject. Alors, on arrive ici. On arrive là. On met donc le 9, il me semble. Non, un 8. Le 8. 8. Exécution.
de la fonction getObject. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Grâce au mot-clé donc return, ça veut dire retourne, en gros on voit quelque part, tu retournes la valeur. Donc là, tac. Alors désolé, attendez deux secondes. Désolé, ma mère qui fait irruption pour me donner quelques informations. Enfin bref, donc on reprend. Donc j'étais rendu donc au numéro 9. Numéro 9, donc en fait ici on retourne donc la valeur de $thisObject, donc de l'attribut qui est ici. Donc en gros, retourne la valeur de l'attribut $object. Jusqu'à là, franchement, c'est pas très très compliqué. Hein. On fait juste en fait, on utilise juste la classe. Et donc là, la number 10, on stocke la valeur en fait une fois que c'est retourné, c'est-à-dire en fait que DellerResult aura pris donc la valeur au final de $object. Donc là, en l'occurrence, index2.php. On affiche donc EchoResult. Bon, ça, pas besoin de vous le dire, ça vous êtes assez grand maintenant, vous connaissez très bien. Et donc là, évidemment, quand on actualise, ça change. Donc voilà un petit peu à quoi sert un objet, c'est-à-dire en fait dedans on crée des attributs, on crée des fonctions pour pouvoir utiliser très simplement et plusieurs fois, éviter de réécrire la chose dans un site. Alors un autre avantage aussi, c'est de pouvoir, donc hors de tout modifier d'un seul coup, c'est de pouvoir en fait vraiment organiser son code, c'est-à-dire qu'en fait imaginons on fait un espace membre, et bah tout ce qui concerne les membres c'est dans la classe, on va dire membre, ou alors dans la sous-classe membre. Alors je sais qu'on peut aussi faire donc des classes étendues, là franchement par contre j'en ai jamais pris, donc peut-être que ce sera le prochain tuto les classes étendues, mais si jamais vous voulez voir hein, ce serait classe genre objet, donc là ça serait donc ça serait si classe objet extended, alors attendez non classe sous-objet, on va dire sous objet extended objet. En fait, qu'est-ce que cette classe va faire là? En fait, elle va simplement prendre en compte les. Alors, je crois pas que ce soit les attributs ou les paramètres, mais ça va prendre en compte plusieurs choses de la classe objet. Enfin, ça va en fait hériter de la classe objet. Et en fait, pour l'instant, j'ai pas encore trop vu l'intérêt de tout ça. Mais bon, peut-être que ça pourrait vous servir. En attendant, je sais, ça existe, je vous le dis. Tout simplement. Donc on va rapidement voir maintenant les erreurs que peuvent retourner private et public, tout simplement, et après on attaquera PDO. Puis bah, je pense qu'on sera largement dans les temps pour une petite vidéo assez sympa, je pense. Ça c'est vous qui me le direz au pire. Donc on va changer donc quelque chose. Alors private, moi ça par contre en fait en franchement j'ai jamais vraiment su comment modifier l'objet. Mais du moins, on va pouvoir modifier la fonction. Cet objet. Alors imaginons que la fonction cet objet est donc en public. Ça veut dire qu'on pourra y accéder de l'extérieur de la classe. C'est-à-dire qu'on pourra lui donner n'importe quelle valeur. Et c'est-à-dire donc que ça peut être une valeur absolument pas programmée ou attendue ou tout simplement quelque chose qui n'est pas voulu. Mais malheureusement, il faut faire gaffe parce qu'imaginons, hop là, on met cet objet ici là-dedans, on met genre genre, hop là, imaginons on met genre, donc on la met ici en privé. Le truc c'est qu'au lieu de m'afficher index2.php, ça va m'afficher rien du tout. Hein, je croyais que ça allait m'afficher genre moi. Ah oui, bah non, mais je suis bête. Parce qu'après, évidemment, faut que je fasse un. Tac. Ça va être après $result. Égal $object get. Oh merde. Vous voyez, hein. Get objet. Donc faut faire gaffe aux lettres et tout, parce qu'évidemment c'est comme les fonctions. Faut faire gaffe aux accents. Voilà, enfin aux accents. Oh merde, aux majuscules, minuscules. La typographie, dit-on. Voilà, donc en fait, simplement, logiquement, cet objet, on n'est pas censé y avoir accès de l'extérieur, donc c'est pour ça en fait qu'on la laisse en privé. En gros, en fait, on est tout simplement, il y a une règle très simple pour les setters, ce qu'on appelle en fait les fonctions qui permettent donc d'introduire une valeur dans les attributs, donc en général que l'on précède de set, il faut toujours qu'elle soit en privé.
pour les getters, ce qu'on appelle, vous les mettez en privé, enfin les getters, donc ce qu'on appelle les valeurs qui lisent ou retournent les valeurs des attributs, en général précédées aussi donc par un get. En général, bon, personnellement, moi je les mets souvent en public, mais dès que je peux, je les mets en privé en fait, hein, on sait jamais, je les mets en privé tout simplement. Voilà, donc maintenant à l'inverse, imaginons qu'on la met elle en privé. Donc ici on enlève, et donc ici on arrive, boum, voilà, on arrive, boum. Call to private method object object from context in, donc en gros, appellation de la méthode privée objet, donc enfin de la classe objet, méthode objet, get objet, pardon, from context machin, l'insist, bon, en gros il nous dit simplement que c'est pas possible, car c'est une fonction privée. Imaginons maintenant qu'on va mettre la fonction, donc on va enlever public, on va mettre la fonction construite en privé. Voilà, call to private function object, pareil, construct, tout simplement. On ne peut pas la mettre en privé, puisque quand l'objet est appelé, la fonction construct apparemment est donc appelée de l'extérieur, puisqu'il est appelé à l'initialisation de l'objet. Donc ce qui fait que c'est possible que ce ne soit pas, comment dire, enfin, c'est pris pardon, comme une appellation externe. Alors rapidement, vous n'êtes pas obligé de faire une fonction construct, hein, loin de là, vous n'êtes absolument pas obligé. Il y a même les fonctions destruct. Alors, est-ce que je peux. Est-ce que je l'ai? Logiquement, je l'ai. Alors, packet tracer, je suis bête. Merde. Attendez 2 secondes. Excusez-moi de nouveau. Donc, rapidement, je vais vous montrer. Hop là, ma classe à moi. Voilà. Donc, la fonction destruct. Donc, en gros, qu'est-ce que ça fait? Là, bah, dans mon cas, en fait, donc c'est ma fonction de base de données. Enfin, de. Comment dire? Là où je fais mes requêtes, etc. Et là, en fait, donc la fonction destruct, pardon, c'est-à-dire qu'en fait, quand l'objet n'est plus utilisé, et bien en fait, je ferme la connexion simplement à MySQL. Bon, voilà quoi. Mais la fonction en général destruct ne sont pas utilisées en PHP ou elles le sont, mais rarement, dans le sens où tout simplement, en fait, c'est surtout ces fonctions-là. Le destructeur est surtout appelé dans les langages de programmation, genre C, C++, etc., pour comment dire. Pour désallouer les cases mémoire utilisées par l'objet. Ce qu'il faut savoir, voilà, qu'en C et C++, il y a la gestion de la mémoire vive à gérer, tout simplement, il y a la mémoire vive à gérer, les cases allouées ou pas au programme. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle la fonction destruct. Mais en PHP, on n'a pas ce problème-là, donc à la limite, vous pouvez l'utiliser, mais voilà, ces deux fonctions-là ne sont pas du tout obligées. Donc voilà. Ça nous donc fait ça, le private, enfin, c'est donc la fonction construct est donc private, enfin ne peut être que public, pardon. Et là, un autre truc, alors je vais donc la remettre en public, un autre truc là, donc on va faire echo de leur objet. Et là, vous allez voir, hop là, et catchable fatal error, object of class object, could not be converted to string, pardon, ce qui veut dire en fait tout simplement que l'objet en fait, la variable objet en fait se transforme en objet, tout simplement, et ne peut pas être affiché, pardon, affiché car c'est une chaîne de caractères, tout simplement, enfin ce n'est pas une chaîne de caractères tout simplement, pardon, donc elle ne peut pas être affichée, elle ne peut pas être affichée, par contre elle peut être très bien, on va dire, réattribuée, hein, égale my object, hein, tout simplement, tac. Hop là, voilà, vous voyez, hein, echo main object. Bien évidemment, après, si vous voulez donc appeler une nouvelle fonction de get objet, tout simplement, ça ne marchera pas, car il vous dira un enfin, voilà, fatal error, call to a member function get object of on unknown object. En gros, il nous dit, vous appelez une fonction d'un objet sur une variable qui n'est pas objet, enfin sur un non objet tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la PDO dans les grandes lignes. De la POO, pardon, dans les grandes lignes. Je sais pas pourquoi maintenant je dis PDO, c'est ouf, hein. De la POO dans les grandes lignes. Et je pense qu'on va pouvoir rapidement attaquer la base de données. Alors, la base de données, donc je vous ai mis un petit. Donc le début du script. Et une base de données. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Try et on ouvre. Alors try, bon, je sais pas trop ce que c'est. On va rapidement les voir. Franchement, j'ai jamais vraiment vu. Enfin, je pense que c'est que ça veut dire essaye. Sinon, enfin, si tu n'y arrives pas, merde.
Travail PHP. Si tu n'y arrives pas, en gros, voilà, c'est une exception. Quoi, je fais mes langages de programmation, des espèces de lancer, attraper, catch en PHP, le code devrait être entouré d'un bloc try pour faciliter des espèces. Attendez encore. Encore, désolé. Donc j'ai 10 minutes là pour torcher le truc, disons. Donc bref, c'est un bloc pour les exceptions. Et qu'est-ce qu'on voit dedans? 8, hop là, new PDO. PDO, programmation d'objets orientés. C'est donc un objet qu'ici on va manipuler pour faire, on va dire, ce qu'on lui demande. Donc comme tout objet, il a des attributs et des fonctions. Et comme tout objet, on n'a pas accès à enfin, les attributs des méthodes, on n'a pas accès à tous les attributs ou à toutes les méthodes. Donc je vais vous montrer rapidement les grandes lignes en 10 minutes. C'est possible. La première ligne, franchement, est à copier-coller. Bon voilà, après ce sont différents modes d'erreur ou autre, je crois. Tout simplement, rien de très extraordinaire. Ici, en fait, on initialise notre objet, $BDD. Donc qui contiendra donc l'objet PDO avec donc évidemment ici le constructeur en fait quelque part ce sont les arguments pour le constructeur qui sont listés ici. Qu'est-ce qui est listé en fait? On peut imaginer que le constructeur en fait arrive et en fait lit ici les premiers trucs, donc les premiers trucs veulent dire quelque part donc c'est une connexion MySQL sur l'hôte, donc là l'hôte local, donc tout simplement avec la base de données tuto pour moi virgule, donc un nouvel argument. Ici, on peut imaginer donc c'est le login. Et ici, donc un nouvel argument, le mot de passe, que je laisse vite parce que je n'ai pas de mot de passe sur ma base de données. Et donc là, les options de PDO, tout simplement, que l'on envoie. Cette ligne-là ne me servait que que dans ma classe à moi, donc ne vous sert pas. Et voilà, donc en fait, s'il y arrive, et bah ça va bien. Sinon, enfin, sinon il récupère l'erreur et chut, on l'affiche. Alors, bdd.php. Là, tout va bien, il arrive à se connecter, pas de problème. Quel est l'intérêt de PDO par rapport à MySQL? Parce qu'il faut savoir que PDO remplace MySQL Query. Alors MySQL Query, le problème, c'est que quand on fait une requête, eh bien, il y a des problèmes de caractères échappés. C'est-à-dire, imaginons que vous faites un système de chat. Le message va être celui-ci. Non, le message va être celui-ci. Égal, tac, coucou. Bien que vous voyez, voilà, donc là vous voyez il y a des petits guillemets. Le problème c'est que si vous faites directement ça, MySQL query, alors attendez, juste query tac insert into par exemple tout chat on va dire message value t'as vu tac dollar message, alors j'ai oublié le point tac. Tac tac. Non, je suis con. Ça va être pas être comme ça. Je crois pas que ça va être comme. Bah, je sais plus. Je sais plus comment ça se passe avec les gros guillemets. Ça va être. En gros, ça va être ça. Voilà. Problème, c'est que une fois, quand il va lire ça, votre message, il va voir les guillemets là. Donc en fait, c'est comme si la requête allait se finir juste là. Et le problème, c'est qu'un pirate, il peut mettre autre chose avant. Par exemple, delete all from delete all, genre voilà un truc comme ça. Il peut très bien mettre delete all, enfin voilà, il peut très bien mettre ce qu'on appelle donc une injection SQL. Il peut très bien faire une injection attends, injection SQL, voilà. Ce qui peut donc vous c'est un moyen quand même de vous faire pirater votre base de données. Pour protéger ça, évidemment, il y a des choses comme MySQL, pas query, mais slash, un truc comme ça, non, il n'y a pas. Ah putain, je sais plus. MySQL, oh, bref. Il y a une fonction qui permet en fait d'échapper et mettre en fait des anti-slash devant chaque caractère afin qu'il ne soit pas pris en compte par la requête. Mais voilà quoi, c'est MySQL strip slash, non, c'est pas ça, strip. Escape string, voilà, escape string tout simplement. Donc c'est. Voilà, parfois ça peut pas être assez lourd, mais c'est ce qu'il faut vraiment pour sécuriser une requête. Et il y a sûrement d'autres choses à faire, mais bon, là avec PDO, on n'est plus emmerdé. Si on veut faire une requête comme ça, donc je vais garder le coucou, tout simplement. On va juste mettre ça. Enfin, je vais. Tac, je vais faire ça. C'est tout simplement, donc là, on va réutiliser notre objet BDD. On dit qu'on prépare à insérer quelque chose, donc on va mettre insert, oula, insert into tuto. Insert into tuto. Donc là, ça va être, si je me souviens, un pseudo
message, pseudo message, value. Alors on va mettre donc notre message, donc dollar message, non, enfin message pardon, et même pseudo avant parce qu'on est des fous, pseudo message. Donc là c'est dans le cas où on a deux variables, ou du moins là ceci est dans le cas où on a des variables remplies par l'utilisateur. Ceci est donc complètement en accord avec ce qu'on fait. Hop là, et ensuite on exécute donc, enfin, $query, on va dire $query est égal à $BDD. Et si par contre ici, on envoie la requête grâce à $query, exécute. Et là, on utilise donc la fonction exécute. Sauf qu'ensuite, il faut donc faire un tableau des différentes choses qu'on a fait là. Donc, c'est-à-dire pseudo. Je vais vous expliquer rapidement après. Donc, dollar pseudo, on va dire. Tac, non, on va mettre plutôt directement black cube. Tac, et là, message. Alors, peut-être que vous n'allez pas comprendre le truc directement. Coucou. Coucou, tac. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Rapidement, j'ai en fait en valeur, j'ai mis une valeur quelque part spéciale, ce que précédé par deux points, ça veut dire en gros, bah tu vas regarder dans la fonction suivante, on va dire, ou dans le tableau que je vais te fournir après, et tu regardes où c'est égal à ce que tu as rentré là, tout simplement. Et en fait, ce tableau-là, donc, va prendre, au lieu d'avoir par exemple array, donc c'est-à-dire qu'en fait ça va être sous la forme array comme ça, hein, par exemple, au lieu d'avoir 0, ce sera donc pseudo à la place. Donc en gros, il ira, hein, ça va être un for each qui doit parcourir ça, mais il doit lire le truc. Donc ça vous permet en fait de faire passer donc des variables de l'utilisateur, par exemple black cube, voilà, égale black cube. Vous mettez en fait tout simplement ça dans le tableau afin d'avoir quelque part une certaine sécurité, parce qu'en fait PDO donc se charge de sécuriser la. Mince, je suis con moi quoi. Se charge de sécuriser votre requête. Et donc par exemple, imaginons que j'ai mis tac et tac, et ben là en fait tout seul il mettra les anti-slash. Donc ça permet de sécuriser vos requêtes, et en plus apparemment c'est moins, enfin il y a moins de failles, c'est plus rapide, enfin voilà, il y a plusieurs avantages à utiliser PDO. Donc là c'est dans le cas d'une requête, on va dire d'une requête comme ça, enfin d'une requête comme ça non, mais d'une requête requête avec des variables, voilà. Pour une requête sans variable, ça va simplement être BDD query insert, imaginons, hein, insert into tuto pseudo message. Non, bon, voilà, c'est vrai que c'est un peu mauvais exemple, mais imaginons que voilà, c'est moi qui vais rentrer mes propres choses. Donc simplement là, on met en valeur, on met, bah, je pense, ça va être donc black cube. Et ici, black cube est un PGM. Hop là. Tout simplement. Et donc là, logiquement, je dis ça. Pas de problème. Ça va donc nous faire notre requête. Alors non. NPD avec squelette. Que notre fin avec nos messages. Ah ouais, d'accord. Quelque part, j'avais pas mis les messages. Zut. C'était là-dedans. Ah, c'était commentaire. C'est vrai. Commentaire. Alors, un autre truc très bien de ce logiciel, c'est qu'on permet donc de. Hop là. On peut en fait modifier plusieurs choses en même temps, vous avez vu, pas de problème. Tac, commentaire. Là, avec un peu de chance, ça va marcher. Mince. Enfeld ligne 24. Ah oui, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tac. Oh putain. Ligne 21. Ouais, mais en même temps, je savais que c'était ça qui allait pas être très bon. J'ai jamais été très très fort avec les requêtes comme ça, toutes faites. Donc, je vais mettre 0 ici, hein, et puis, ce sera plus rapide. Tac, 0 et 1. Bah, comment ça? Query, incertitude, tuto, pseudo, commentaire, value 0, 1. Ah oui, mais. Ah si, c'était pour ça. C'est vrai que c'est avec ce logiciel-là, c'est assez chiant. Le fait, en fait, de vouloir. De bien mettre les parenthèses, parce que. Voilà, on ouvre en fait on ouvre une parenthèse. Le problème c'est que ici il y en avait déjà une, donc il n'a pas rouvert la seconde, ce qui a provoqué donc cette erreur. Donc voilà, on peut voir donc les requêtes sont faites donc avec ma variable ou simplement mon texte. Alors là maintenant sur une requête rapidement, donc de on récupère tout, c'est-à-dire select all from tuto from tuto, voilà, tout simplement. Après c'est une requête normale. Là en fait je sélectionne tout. On va quand même mettre ça dans la dollar result, pardon, dans une variable dollar result. Et par contre après ça va changer un petit peu. Imaginons on va mettre while, et donc là ça va être dollar result. Donc je vais mettre fetched égale dollar result
fetch. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut tout simplement dire, en gros, boum, en fait, c'est à peu près comme le MySQL fetch array, en fait, sauf que là, c'est la fonction fetch. Et après, bah, évidemment, vous réécrivez votre code, hein, ça se passe exactement pareil. Result fetched, dollar, result fetched, mince. Shed. Imaginons qu'on met ici pseudo. Tac. Mettre un écho avant. Bon, je vais pas aller très loin, mais juste. Je peux vous montrer une liste de variables. Oh, quand même. Quand même. Ah, c'est pas la même que j'ai mis, évidemment. Tac. Ah oui. Ah, j'ai oublié le T. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, tout simplement, il me ressort les différents trucs. Ah oui, j'avais mis. D'accord. J'avais mis avec les avec les crochets, c'est pas grave. Enfin voilà. Et si jamais pour les erreurs, vous voulez gérer les erreurs, tout simplement, il faut falloir mettre un or die print r, c'est-à-dire imprime les tableaux, parce que ce sera sous forme de tableau. $BDD get error. Non, error info, pardon. Error info. Voilà, tout simplement. Et donc là, en fait, il me mettra un problème. Donc imaginons que je mets ça. Tac. Que je mette ça alors à cet endroit-là, tac, et que en fait je change le mot de passe route, il devrait mettre l'erreur. Et encore, je sais même pas si c'est celle-là, or die. Enfin bon, enfin, cette ligne-là permet la gestion d'erreurs. À vrai dire, je m'en sers pas souvent, puisque j'ai pas beaucoup d'erreurs, t'as vu, mais je m'en sers pas souvent dans la gestion d'erreurs. En fait, à chaque fois, j'ai un doute, mais imagine si on remet un EZ. Ouais, bon. Il doit gérer la gestion d'erreurs comme ça. Peut-être que PDO le fait, grâce à cette ligne, le fait directement. Mais je sais qu'au début, moi, j'avais besoin d'utiliser cette fonction. Donc, voilà, j'ai fini ce tutoriel. Désolé, j'ai dû le faire très rapidement, parce qu'en fait, je voulais que vous l'ayez quand même. Et en fait, ce vendredi après-midi, c'était le seul moment où j'avais le temps de le faire. Demain, je peux pas, et dimanche, sûrement pas. Donc. J'espère que vous aurez apprécié, j'ai fait 52 minutes, en tout cas déjà mieux que la dernière fois. Vous l'aurez donc dans la soirée, en tout cas, enfin logiquement. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez d'autres, on va dire, des informations à m'apporter, bah allez-y, mettez-le dans les commentaires, des questions dans les commentaires, pareil. Si vous avez des projets, on va dire, à me conseiller, enfin pas des projets, mais des remarques à me faire ou des choses pour que je m'améliore, dites-le moi aussi tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire? Oui. Mais pour ceux qui voudraient m'aider, la porte est ouverte. J'attends, on va dire, vos messages et on verra à ce moment-là. Voilà, merci à tous et salut, à la prochaine.